Nouvelle ni même bonne ou ramen fait qu'au dul d'allemand, en même temps aussi, venir dire merci au Prosaf à Condé, au président olympique. Voilà, il y aura un petit direct demain, parce que c'est lui qui avait raison. Parce que nous venons de voir les dernières publications de nos anciens adversaires politiques qui disent clairement, sans se gêner, que c'est le Prosaf à Condé qui avait raison sur le système d'électrification de la Guinée. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Merci au président Alpha Condé. Vous savez, personne n'est obligé de l'aimer. Mais tu n'y as pas là l'année. Bonsoir à tout le monde. Touré, voilà, Sékou, comment vas-tu? Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et nous allons répondre à dire à Ousmane Gawala que son arrogance, parce que ce n'est pas de l'éloquence, c'est de l'arrogance. La conférence de presse a été programmée. Moi, je m'attendais à des conneries, à un bavardage inutile. Mais nous allons passer ces infos, nous allons les reprendre parce que, certes, aujourd'hui, il est lié à quelqu'un, il a un très très bon support, c'est-à-dire Idi Amin. Donc, il ne craint rien, il n'a pas peur de quelque chose. Aujourd'hui, il a le dos extrêmement large en matière de relations, selon lui. Cette relation ou ces relations lui confèrent beaucoup d'arrogance, voilà, parce que le monde entier l'a écouté avec aisance. Vous avez vu comment il s'exprimait sur la situation de Sadiba. Il a banalisé, l'a minimisé, la mort d'un grand officier supérieur. Il l'a minimisé, voilà. Mais moi, je ne viendrai pas perdre mon temps sur son bavardage ou ses bavardages parce qu'il sait très bien qu'il est en train de vivre ses dernières fonctions en République de Guinée. Et lui et Baouri, tout le staff. Voilà. Donc, merci, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Pour une information aussi, je voudrais mettre cette information dans vos inbox sur la toile. Nous allons nous renseigner davantage. Acceptons de nous informer très bien sur Amara Camara. Je viens d'être informé ce soir que Mamadi Doumbouya l'a écarté définitivement. Définitivement. Donc, informez-vous, s'il vous plaît. Aidez-moi. Voilà, je vous confie cette information. Je vous confie la vérification de cette information. S'il vous plaît, aidez-moi à vérifier cette information concernant Amara Camara. Il paraît que Mamadi l'a appelé, clairement, il a dit qu'il ne veut plus le voir. Bon, c'est deux personnes qui me l'ont dit et m'ont demandé, le second m'a demandé de vérifier. Donc, vérifions tous, parce que ce qui reste clair, selon la même source, Doumbouya n'aurait pas apprécié la façon dont Amara est allé à l'atelier de, comment on appelle ça, organisé par le département de l'agriculture et l'élevage. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rendre hommage à mon professeur Sarabello que j'ai écouté. Ah, professeur. Quand je vous ai écouté, vous n'avez rien perdu dans votre qualité de communication, votre façon de parler. Toujours souriant. Vous êtes le seul professeur dans ma vie. J'ai rencontré des excellents professeurs, des docteurs. Mais le seul professeur dans toutes ces explications, c'est-à-dire vous expliquez, vous avez. C'est-à-dire vous riez, c'est-à-dire vous êtes tellement à l'aise dans les explications. Hein. Franchement, quand j'ai écouté, réécouté, tellement que j'avais envie d'être là, vous écoutez parce que j'ai toujours, moi je vous ai tout le temps, j'ai été là. Vous vous rappelez, je vous regardais comme ça. La qualité, la façon d'enseigner. Et j'ai pris le Tout-Puissant Allah qui vous donne longue vie, professeur Sarabello Diallo. Que Dieu vous donne longévité, santé. Que Dieu vous garde longtemps, longtemps, longtemps pour nous. Longtemps pour nous.
Vous avez vu, ça c'était le salon de l'agrumet. Beaucoup de vos étudiants qui sont devenus des grands cadres étaient là. Regardez Dr Aissatou. Dr Aissatou, elle est docteur maintenant. Regardez Dr Ousmane Camara, le Mouriaka. Ils sont tous docteurs aujourd'hui. C'est grâce à vous. Ne le répondez pas, non. Voilà, ne le répondez pas. Il cherche une vie. Ne le répondez pas, s'il vous plaît. Frère, laissez-le, je l'ai déjà bloqué, laissez-le. Voilà, laissez-le. Voilà. Donc, merci pour tout. Merci, professeur Sarabello Diallo, merci pour tout. Que Dieu vous garde longtemps. Voilà, et en même temps, je profite pour saluer mon consultant, professeur Youssouf Sidimé, voilà, qui était le vice-recteur et en même temps mon second consultant, parce que le premier consultant c'était Dr Abdramane Baldé, que son âme repose en paix. Voilà, Dr Abdramane Baldé, que son âme repose en paix. Mais je profite aussi pour saluer le professeur, mon professeur, en même temps mon consultant, donc professeur maintenant, Youssouf Sidimé. Vraiment, merci pour tout, merci pour le service rendu à tous les étudiants qui sont devenus aujourd'hui des grands cadres. C'était entre parenthèses que Dieu, merci, merci, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'était entre parenthèses, je voulais rendre hommage à mes professeurs, voilà, parce que ils m'ont enseigné, ils m'ont vu, ils m'ont eu sous leurs mains. Donc, je les ai vus au salon de l'agriculture, j'étais très ému, surtout professeur Sarabello, Youssouf Sidimé, nous avons passé tout le temps ensemble. Il a été mon professeur de virologie, voilà, pathologie, et en même temps consultant. Donc, permettez-moi, c'était entre parenthèses, leur rendre hommage parce qu'ils étaient présents. Je les ai vus, bon, physiquement, ils ont perdu un peu de poids, mais ils sont toujours en forme. Voilà, surtout professeur Sarabello, toujours en forme. Respect à vous, bon professeur. Donc, Dine, comment vas-tu, Pape? Dine, comment vas-tu? C'est la principale information, c'est concernant le général Amara Camara. Voilà. Ouais, c'est ça même. Amara Camara a été, c'était entre 15h et 16h. Voilà. Excusez-moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, je ne suis pas. Vous m'avez vu avant-hier et hier, j'ai dit mes vérités. Le cas de Amara m'excite pas, c'est pas mon problème. Voilà. Le cas de Amara, comment on appelle ça? Ce n'est pas mon problème. Au fait, c'est une information. Voilà, je vous donne l'information afin que vous inquiétez. Sinon, vous l'avez entendu? Benito a été très clair avec lui. La dernière demeure de Amara pour le moment sur Terre, c'est la maison centrale. Amara n'a qu'une seule maison en Guinée. La dernière maison d'Amara, c'est la maison centrale. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je voulais juste repasser l'information. Il paraîtrait que Doumbé l'a appelé. Il a demandé qu'il ne veut plus le voir. Donc, il y a un décret en téléchargement peut-être pour le remplacer. Ou bien le poste va rester comme ça. Là, c'est pas important. Donc, ça, c'est... Voilà. C'était une information. Oh, qui c'est Afi du Diallo. Je voulais pas prendre quelqu'un. Bon, allez-y, frère. Allez-y rapidement. Hein. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Ça, c'est... Donc, vérifions ensemble. Voilà, vérifier. Est-ce que c'est vrai? Amara a été remercié par Doumbouya. Voilà, nous demandons de vérifier. Vérifions ensemble quand même. C'est lui qui me l'a dit. A été très précis, m'a expliqué la scène, comment ça s'est passé. Voilà, il a demandé simplement parce qu'il n'a pas apprécié. Je vais vous montrer ce qu'il n'a pas apprécié. Voilà, c'est la photo d'Amara, la façon dont Amara était, il ne l'a pas apprécié. Voilà, moi-même, c'est une manière de dénoncer, de dire qu'il a été maltraité, je ne sais pas. Il se demande quelle communication Amara voulait passer là. Et regardez-le très bien parce qu'il avait mal au pied. Regardez Amara, il avait mal au pied. Voilà, regardez sa main. Voilà, regardez-le. Il paraît que le petit n'a pas apprécié ça. Regardez très bien. Voilà, ceux qui disent là qu'ils ne voient rien sur YouTube là, c'est votre problème, ça ne m'intéresse pas.
Voilà. Donc, il n'a pas apprécié ça. Voilà encore ça là. Regardez très bien. Regardez très bien sa main. Voilà. Regardez très bien. Voilà. Il paraît que ce sont les éléments des forces spéciales qui ont pris Amara et l'ont envoyé. C'est pas là, c'est long. Voilà. C'est vrai ou faux, c'est pas important, mais nous avons le devoir de vous montrer les événements. Voilà. Donc, regardez sa main. Voilà. Et tout le poignet est noir. Il ne peut rien faire avec sa main droite. Donc, vous avez vu, il ne peut rien faire avec sa main droite. Voilà. Regardez très bien. C'est bien attaché. Voilà. Donc, que ce soit une distraction ou quoi, ben ça, c'est son problème. Et je voudrais. Voilà. Je l'ai déjà dit hier, là, s'il veut distraire les gens, je ne sais pas de qui se moque, tout ça, là. Vous vous rappelez, je l'ai dit hier. Voilà, n'oubliez pas, j'ai été très précis hier. Ce n'est pas important. Voilà. Donc, évoluons. Ousmane Gawal, Ousmane, je vais d'abord commencer par le ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre de l'Énergie, Aboubacar Edege. Tu sais la vérité, monsieur Aboubacar. Vous venez de nommer. Vous venez de nommer. Je dis bien, vous venez de nommer. Ce qui m'étonne. Bintou Marie, comment vas-tu, ma chérie? Comment vas-tu? Vous venez de nommer un de nos grands, grands fonctionnaires, l'ancien directeur de l'EDG. Vous comprenez? Parce que ce qui me fait peur et un peu honte, qu'est-ce que vous n'avez pas dit de nos fonctionnaires? Parce qu'au départ, l'inintelligence du CNRD était de considérer que tous ceux qui ont travaillé avec Kassori, Lula et Mohamed Saïd étaient des mauvais fonctionnaires. Parce qu'ils ont pris ce tact pour justifier, je dis bien pour justifier leur forfait. C'est-à-dire, ils ont fait le coup d'État, il y a eu des tueries. Donc, il n'y a pas de recyclage pour ne pas dire non. Pourquoi alors vous avez pris les mêmes personnes? Tous les membres de Amara, comment vas-tu, mon champion? Donc, maintenant nous regardons la chaîne de fonctionnement du gouvernement. Vous n'avez pris que les mêmes fonctionnaires. Presque. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire appel à la crème, c'est-à-dire nos meilleurs fonctionnaires. L'homme que Baoury a ramené là, il a pris comme conseiller là, ce n'est pas n'importe qui. C'était le monsieur stratégie et fonctionnement presque. C'était le pion, le maillon même de l'EDG. Il avait beaucoup d'expérience. Donc, Baoui l'a rapproché. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas du tout honte. Voilà pourquoi vous donnez raison encore à la gouvernance des professeurs Alpha Condé. Nous avons tellement détaillé de long en large. Parce que vous avez envoyé tous les amendes des communicants, ou bien je ne sais pas qui d'autre, pour dire que non, le barrage a été très mal fait. La honte mondiale, c'est que nous avons pris les différentes communications des médias, des techniciens en matière de construction de barrage pour mettre devant vous. Parce que ce n'est pas nous qui avions apprécié les barrages. C'est l'international, c'est-à-dire tout le staff, ceux qui connaissent comment on fait un barrage. Mais quand des gens qui ne se retrouvent pas avec les gros mots, la refondation, nous disent que les barrages n'ont pas été bien faits, les pots sont sortis comme ça. Voilà, les barrages sont pleins d'eau comme ça. Le problème, d'abord, c'est comment, c'est ce qu'on vous dit. Vous ne savez pas comment distribuer. Et vous devez une agence aussi, plus de combien de millions, plus de 800 millions. Vous ne payez pas vos factures, vous demandez aux gens de payer les factures. Vous ne donnez pas le courant aux gens, vous demandez de payer les factures. Quand j'entends Ousmane Gawal, bon salut, c'est le porte-parole du gouvernement. Mais je vais d'abord mettre à sa place le petit Aboubacar, le bluffeur. Tu n'es qu'un simple bluffeur. Ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Tu comprends, non? On le dit là, il ne fait pas le moins, tu t'habilles, on dit non, va. Vous comprenez? Et pourtant, il y avait tous ces techniciens, avant de faire le barrage, c'est-à-dire nous répétons tous les jours pour ne pas que vous trompez les gens.
Lorsqu'on faisait l'étude de faisabilité de ces deux barrages-là, c'est partout dans le monde et on regarde la période d'étuage. On regarde. Nous avons entendu le monsieur Abessina dire que sur toute l'étendue du territoire, il n'y a que deux lignes de haute tension. Mais j'ai vu un professeur venir l'insulter là-bas propre. J'étais très content. Un technicien de l'énergie qui était très déçu de sa déclaration que toute la Guinée n'a que deux lignes de haute tension. La ligne Farana-Dabola et Dingré, et je ne sais pas, non, ce n'était pas la peine. Alors, tu fais toutes ces communications-là, c'est pour éviter d'être remplacé. Tu ne mérites pas. Tu as vu, tu connais pas. Tu ne connais rien en matière d'hydrocarbures, en matière d'électricité. Tu n'en sais rien. C'est-à-dire, on t'a pris parce qu'il paraît que tu es très populaire à Kaloum. Ou bien tu es aimé par les jeunes, c'est tout. Hein. C'est tout. À part ça. Parce que, regarde, une ligne de tes communications. Si tu veux, je vais le lire. Parce que tu dis carrément que vous avez négocié un autre bateau, pas l'ancien bateau. Que parce que il y avait des fonctionnaires du Prince Alpha Condé qui gagnaient des dividendes sur l'autre bateau. Tu n'as pas honte? Non, tu n'as pas honte. C'est-à-dire, vous déplacez le mensonge. Vous l'envoyez, c'est-à-dire, vous cherchez. Je ne comprends pas. Regardez, dites la vérité aux Guinéens que vous êtes incompétents. Et puis c'est tout. C'est tout. Dites que c'est incompétent. Et puis c'est tout. Mais dire, ce qui m'a fait rire, des grands techniciens, des anciens ministres comme Celula Ndiallo, j'ai écouté Celula Ndiallo apprécier, dire qu'il y a beaucoup d'argent à la banque, que l'argent est mal utilisé. J'étais d'accord avec lui. En ce temps-là, je suis sorti mettre à leur place beaucoup de ministres d'Alpha Condé. Le même Sélou a apprécié la façon dont Alpha Condé s'y prenait par rapport à l'électrification de la Guinée. Sélou est plus âgé que toi, il est plus technicien que toi. Il connaît la Guinée plus que toi, qu'à son université, tout le monde. Mais c'est toi, je suis plus âgé que toi. Je connais ce pays-là plus que toi. Je me demande alors, qu'est-ce que toi tu en sais en matière de. Mais tu as vu? Les gens disent que ta communication n'est pas convaincante. Parce que quand on t'écoute là, on se rend compte que tu n'es pas de la matière. Tu sais pas utiliser. Parce que moi, Benito, malgré que ça fait plus de 7 ans, 8 ans, je ne touche pas au titre vétérinaire et au plan mais. Si nous rentrons dans ce que je peux t'expliquer, je peux avoir la terminologie, avoir les techniques, les mots, et puis savoir définir ce mais toi, c'est tout à fait le contraire. Parce que je me demande si c'est ce que tu as fait à l'université. Maintenant, laissons tout cela. Les ministres d'Alpha Condé avaient des dividendes dans. Maintenant que vous êtes revenus encore sur nos anciennes actions, parce que vous êtes reparti en Turquie, demandez à Al-Barak de vous aider à avoir un autre bateau. Selon vous, hein, voilà, c'est vous qui avez la langue mielleuse, que la façon dont vous avez négocié le bateau-là est arrangeant et plus économe que ce que le gouvernement Alpha Condé a fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est Baoury qui avait dit que bientôt le bateau arrive. Ousmane Gawala est revenu dire que c'est faux, que ça n'a pas été dit en conseil de ministre. Mais attends, tu veux nous dire que vous avez presque négocié un autre bateau moins cher, moins économique, plus économique pour la Guinée, plus que l'ancien bateau, il n'y a pas de problème. Mais le problème, nous connaissons tous combien de temps le bateau fait pour arriver en Guinée. La Turquie et la Guinée, c'est presque combien? Presque un mois ou demi, le bateau va faire pour venir à Conakry. Et à ce moment-là, c'est là que tu vois que le barrage est super plein. Le barrage, quand l'État et Soapiti seront pleinement pleins. Voilà ce que le grand frère, le tonton Alpha Bandé dit. On ne fait jamais un barrage sans faire une étude environnementale, écologique et sociologique. Voilà les personnes qui sont à l'écran.
C'est ce que j'ai dit hier avant-hier. Je n'ai jamais vu dans le monde. On se lève comme ça, boum, on dit non, on fait barrage ici, là. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Parce que selon les experts, d'autres peuvent passer au moins, où il y a au moins des techniciens, des ingénieurs, peuvent prendre au moins un an, deux ans en train d'étudier tous les paramètres d'installation, de construction d'un barrage. Selon les experts, pas moi, ce n'est pas ma spécialité. Parce qu'on fait toutes les études, ce que le tonton dit comme ça, environnemental, sociologique, parce que ça impacte aussi ceux qui étaient là-bas, les villages environnants, ça impacte. Donc on fait toutes ces études avant d'abord de parler de barrage. Le site d'abord est indiqué, on dit c'est ici. Maintenant, les différents techniciens partent là-bas et commencent des études. Ça peut prendre un an, deux ans avant de faire le barrage. Voilà comment Kalita est sorti. Mais je te rappelle encore que tous les sites de barrage en Guinée ont été détectés depuis le temps colonial, depuis le temps de Sékou Touré. Ce n'est pas aujourd'hui que les sites-là ont été détectés suite à la Cour Touré-Bois. Il faut demander aux anciens. Moi, je me rappelle, parce qu'au moins, j'ai la mémoire fraîche plus que toi. Lorsqu'on avait fait le barrage là, le barrage qui est à l'Insan, comment on appelle le barrage là? Le barrage, il y a eu des problèmes autour de ce barrage. Il y a eu des problèmes parce que ce n'était pas à ce niveau-là, selon les experts, que le barrage était prévu. Il y avait, en ce temps, on était à Mamou, il y avait un ingénieur, c'était un ingénieur Souba ou Diallo comme ça là, qui était au ministère des travaux, je ne sais pas. Garafi, merci beaucoup Garafi, qui avait dit au président Lancel Akonté que les gens ont menti sur l'installation, c'est-à-dire le vrai site du barrage. Ils ont menti à Lancel Akonté. Et nous avons vu que les pays ont désisté, des organisations financières ont désisté pour le financement de ce barrage-là. C'est en ce temps-là qu'ils ont demandé au peuple de cotiser. Nous, on était au terrain de Foulamadina, au terrain de Sabre, entre Peter Sabre et Mamou, on était, les Hadja Marma Kankalabi, les Hadja Dubaya passaient là. J'ai donné, c'est pas 5 francs que j'avais donné. 5 francs ou 10, j'ai oublié, c'était une pièce que j'ai donnée. La pièce était dans ma petite culotte comme ça, là, j'ai enlevé, j'ai donné. C'était 5 francs, comme ça, 5 ou 10 francs, j'ai oublié. En tout cas, c'est une pièce que j'ai donnée. Et on m'a béni parce que j'ai participé. C'était les Aladji Gergerji qui ont donné combien de millions? En ce temps, 5 millions, c'était beaucoup d'argent. Les Aladji Gergerji, et qui encore? Oui? Voilà, les Guinéens ont remercié beaucoup, frère. Le grand. Donc, tu as vu, non? Voilà. Donc, monsieur le ministre, on attend. Parce que nous, on savons très bien que vous cherchez toujours à vous cacher derrière quelque chose. Vous avez dit que le bateau est négocié, non? Il n'y a pas de problème. Les gens entendent. En tout cas, c'était un problème de niveau d'eau. Aujourd'hui, regardez, le barrage est plein. Le barrage est plein d'eau. Les deux barrages même. Il y a une jeune fille, une blogueuse qui s'est amusée à poster les deux barrages. On lui fait attention. Parce que vous avez dit toi-même, le même ministre, que c'était un problème de niveau d'eau. Aujourd'hui, c'est le plus bas niveau d'eau. Vous êtes en train de négocier un bateau électrique en pleine saison de pluie. En pleine saison de pluie. Même au temps de l'ancien raconté. Pendant la saison des pluies, il y avait le courant à Conakry. Parce que Garafi donnait le courant, au moins. Ceux qui étaient à Taboula, il y avait le courant. Ceux qui étaient à Pital, à King Kong, il y avait le courant pendant la période pluvieuse. Maintenant, voilà, nous sommes dans la période pluvieuse, il n'y a pas de courant. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Donc, je te dis, normalement, Doumbouya doit te prendre ABC là. Tous ceux qui ont travaillé au ministère de l'Union, vous mettre en prison parce que vous l'avez menti. Vous l'avez menti. Donc, chef, nous allons terminer par Ousmane Gawal. D'abord, Ousmane Gawal, je voulais féliciter les jeunes de Gawal. Demain, nous parlons de ça. Andy, la façon dont tu es un boulaou, tu penses que tout le monde est boulaou. La
façon dont quoi gagner, tu penses que tout le monde est gagné. Tu penses que tout le monde est gagné. Parce que tout le monde est gagné. Baïko, Gaoum. Tu connais le mot, tu connais bien le mot Gaoum. Quoi, Gaoum, quoi, Gaoum. Voilà. Parce que as vu comment les jeunes, tu as vu comment l'information passe. Tu as vu comment l'information passe. Il y a une mission qui est partie à Gaoual. À Gaoual. Fait, la mission ne partait pas pour des travaux, mais la mission partait pour l'insertion de ton mouvement à Gaoual. Tu as vu, les gens ont informé les jeunes de Gaoual. Est-ce que tu as vu où les gens, les jeunes ont mis les barrages? Au fait, voilà pourquoi nous disons à Lansana Kouyaté, à Ousmane Kaba, aux autres petits partis politiques de voir. C'est un exemple que je prends pour montrer à ces personnes qui disent que en Guinée, là, c'est leur parti qui est bien installé. Parce que c'est à la rentrée, les jeunes de Gaoual, nous connaissons trop bien les milieux là. Nous avons écouté les jeunes. Hier, ils n'ont Ousmane Gaoual, on mis sur le Nataro. Que le Holloumen Kaïdi, que INI, Commission Travail Technique, fit fonction publique. Mais réunion, les jeunes là font référence à ton comportement par rapport lorsque les cellules Baldé étaient là-bas. Invité, les cellules Baldé passaient saluer les notabilités et les notables IFDG, les responsables IFDG, qui a organisé la pagaille pour les saboter. Le préfet, la gendarmerie. Mais comme c'est le fief d'un grand parti politique, l'IFDG, Aïd que tu ne peux pas. Ça, c'est un avertissement, au fait, petit. C'est un avertissement. Ça, c'était entre parenthèses. Djentik et Makadi, par rapport à quoi? Par rapport à Sadiba Koulibaly. Je pense que tu dois faire beaucoup attention. Parce que jusque-là, Doumbé est en train de corriger. Doumbé est en train de corriger ce que moi j'appelle le responsable militaire. Il n'a pas commencé avec les civils. Mais ça va dans le tout. Parce qu'il y aura un autre gouvernement. Avant la fin de la tranche, il y aura un autre gouvernement qui sera dirigé par un autre premier ministre. Mais cette fois-ci, un premier ministre Soussou Miholaki, que tu feras partie de ce gouvernement-là. Wadoudoui Petit. Wadoudoui Kika, Wadoudoui. Famille, je vais lire ce que tu as dit parce que le monde entier t'a écouté. Mais je vais lire ça pour mes abonnés parce que ce que tu as dit est extrêmement grave. Je vais le lire. Voilà ce que tu dis. Tu dis carrément, il est très imprudent de dire qu'aucun membre du gouvernement n'a présenté ses condoléances. Ce n'est pas vrai. Certes, il n'y a pas eu de déclaration officielle, mais dire qu'aucun n'a fait, ce n'est pas du tout la réalité. Ça, c'est un. Voilà. Concernant le décès de Saliba même, voilà ce que tu as dit. Parce que ça, là, ce n'est pas en tant que porte-parole. Hein. Ça, c'est de toi. Ça, là. Parce que si tu es porte-parole du gouvernement, tu devais lire. Mais sans détailler de la sorte. Mais moi, je vais lire le détail. Voilà. Tu dis, s'il y a des doutes, la famille a toute la légitimité d'aller devant les juridictions pour que les doutes soient levés. Ah, Ousmane Gawal, quand tu regardes ce qui s'est passé, quel est le membre de la famille qui peut aller devant les juridictions? Ou bien
les barreaux là n'ont pas demandé. Les barreaux, c'est le barreau même qui demande de clarifier la mort de Sadiba. Quand tu demandes à un membre de famille d'aller, un membre de la famille d'aller devant une juridiction s'il y a des doutes. Mais pourquoi tu n'as pas expliqué comment il est mort? Parce que le document qui indique qu'il est mort, le document, selon le médecin, c'est que le médecin a écrit. Il y a des spécialistes qui ont démontré par A plus B que vous êtes mal pris pour écrire le test, parce que c'est un test que vous avez écrit. En combien de temps vous avez fait l'autopsie et en même temps faire un communiqué là-dessus? C'était très grave. Mal fait! La Guinée est un pays des intellectuels. Tu as vu comment les intellectuels ont mis à décortiquer, c'est-à-dire à définir même les mots utilisés dans le communiqué. Ce sont des mots. C'est la biologie. Ce n'est pas la médecine, c'est la biologie. La biologie. Donc, ces termes-là, il y a des spécialistes qui ont venu expliquer comment fonctionne le cœur. C'est-à-dire le système cardiaque. Ils ont détaillé. L'affaire de stress, là, les spécialistes. Hein? Oh! Et voici. Je le lis et puis mettez des cœurs, partagez s'il vous plaît. Voilà. S'il y a de doutes, la famille a toute la légitimité d'aller devant les juridictions pour que les doutes soient levés. Tu as compris? Et ce que tu dis, à ce jour, la famille n'a montré aucun doute sur la mort du colonel Sadiba Coulibaly. Si la famille a des difficultés pour accéder aux informations qu'elle souhaite, elle peut aussi s'exprimer à travers les médias ou les juridictions. Ousmane Gawal, Aouni Allah. Ça veut dire que tu es un musulman. Dari, regarde ce que tu dis, Ousmane Gawal. Tu parles de médias. Où sont les médias, Ousmane Gawal? Où sont ces médias? D'ailleurs, qui a détruit les médias? C'est pas toi. C'est toi qui étais ministre, ou bien c'est qui? Qui était ministre de la communication? Non, c'est toi ou bien c'est toi qui avais commencé. C'est pas si c'est toi qui avais commencé et Farah Souma est venu enterrer les médias. Tu parles de médias. C'est toi qui parles de médias. Et puis, écoutez ce monsieur-là. Est-ce que tu n'es pas malade? Mouodi, Allah, ça ne va pas chez toi. Il y a une pièce qui manque ici. Dari, voilà, écoute-toi. Joli Gentitra, t'as dit. Donc là, tu réécoutes ce que tu as dit. Voilà ce que tu dis. Si la famille a des difficultés pour accéder aux informations qu'elle souhaite, elle peut aussi s'exprimer à travers les médias ou les juridictions. Ousmane Gawal, où sont ces médias? C'est à la RTG? Qui t'a vu à la RTG qui peut tendre le micro? Tendre le micro? Nous avons vu les victimes de Koranti. Il y a des journalistes qui ont été interpellés, ils ont mis en garde, ils ont menacé certains médias. Et en ce temps même, ce n'était pas fini avec les médias. Qui parlent des médias, qui parlent de juridiction. Lorsque l'avocat a envoyé un huissier, pour recenser tout le matériel, le bien volé par ces militaires, de l'argent, le matériel. Qu'est-ce que les militaires, les gendarmes de Bala Samoura ont fait à la porte? Ils ont empêché l'huissier de rentrer. Parce que tu parles de s'exprimer. Les gendarmes de Bala Samoura qui étaient à la porte ont empêché l'huissier de rentrer pour récapituler, recenser tout ce qui est parti. Et toi, tu parles, tu demandes à la famille qui n'a pas eu la chance de regarder le visage de Sadiba, parce que c'est nous qui avons mis à défi quiconque de montrer le visage de Sadiba à sa famille. Parce qu'il a été défiguré. Des membres brisés, défigurés. Alors, pourquoi vous n'avez pas montré le corps? Parce que ce que tu dis encore dans ton test, je laisse comme ça. Que comme il a été dégradé, il est revenu à la vie, je ne sais pas comment. Il a été radié. Donc, vous avez remis le corps à la famille. C'est comme ça qu'on remet le corps à une famille, Ousmane Gawal. C'est comme ça qu'on remet, parce que quand on remet le corps à la famille, quand
quand une personne qui a été radiée, ça c'est de l'armée, c'est la famille qui doit s'occuper de tout, le laver, tout. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi? Et pourtant, moi je l'ai, j'ai mis quiconque à défi. Le moment viendra où je vais te transférer les photos de Saliba. Quelle figure! Tu auras tes photos si tu veux. L'un de la million de tes. Mais peut-être pas les marins. Hey, et puis c'est toi, dans ta même conférence là, que si tu deviens candidat à la présidence de l'IRDE, que tu vas gagner contre devant celle-là. Je rentre pas dans le débat comme ça. Il faut d'abord accéder au siège de l'IRDE, c'est tout. Moi, c'est là-bas. C'est ce que j'ai dit à un ami. Arrêtez de vous fatiguer, Ousmane Gavala. Pour l'affaire de jurer l'IFD, il faut d'abord accéder au siège de l'IFD. Mais la Andy, je connais des amis qui ont étudié avec moi à Farana. Des amis, ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. Et Andouma, Andy, vous avez travaillé ensemble. Tu as eu des difficultés avec eux. Parce qu'ils ont toujours compris que tu es malhonnête. Moi, j'ai juste envie de voir ces gens-là rester bras croisés à la impose la IFDG, la Umpad. Parce que je connais la capacité. La Oli, nous avons fait les manifestations en 2002 à Farana. On s'est battu contre le recteur Yazora Suropogi. Ils ont envoyé le gouverneur qui a voulu nous mater. On sait comment ça s'est terminé. Je connais ces personnes, mais en tout cas, j'ai envie de voir ces gens-là. Mais tu vois, bien sous toi, la impose la IFDG. Oh, c'est quand je fais la canne, quand je me prends la tête de l'IFDG, je vais gagner devant celle-là. C'est-à-dire, c'est un rêve pour toi. C'est-à-dire, comme on dit, les maniques, Ibrahima, tu comprends bien le mal. Parce que même si c'est le Bambara, tu comprends, mais c'est la même chose. Ibrahima, ça dit Ibrahima, tu es devenu comme ça. Maïde Baladimaro, nous allons faire comme ça. Tout à l'air. Et le dernier mot aussi, pourquoi vous êtes resté à côté du corps de Saliba? Si c'est son corps, moi je le dis toujours, si c'est réellement son corps, pourquoi vous avez attendu, vous avez laissé les militaires? Parce que ce ne sont pas des annonces, ce sont des militaires qui étaient là-bas, des militaires, des jeunes recrues des forces spéciales qui gardaient le lieu jusqu'à ce que le corps se décompose et c'est fini. Et ils ne sont même pas partis. Donc, portez-vous bien, bonne nuit. Voilà, ça le nom. Ça le, il ne va pas changer. Ce n'est pas l'affaire de celle-là seulement. Tu es né malhonnête. Parce que, je le dis, hein, ton comportement, ton attitude, tes conseils ont empêché celle-là d'accéder au pouvoir. Parce qu'un bon opposant sort par toutes les stratégies. Moi, je vois là, à partir de là, que tu avais tes propres stratégies pour empêcher le monsieur d'accéder au pouvoir. Parce que tu vas au nini. Donc, tu es comme ça là. Tu pensais que non. On te dit que Gorko Sousa. Les gens ont oublié que tout ce que tu fais, le comportement était extrêmement négatif pour celle dans les Diallo. Tu as compris? C'est-à-dire, je ne parlerai pas le mot machudo. Je ne parlerai pas de ça parce que je suis contre ça. Je suis contre ça. Qu'on dit à quelqu'un, il est machudo, il est comme ça, là, je suis contre ça. N'oublie pas, hein, je suis né, grandi dans les milieux-là. Je connais très bien cette situation-là. Mon père a été sous préfet plus de 15 ans, non, 20 ans dans les sous-préfectures au Fouta. Des problèmes comme ça, là, il a réglé trop même. Tu as compris? C'est toi peut-être qui n'as pas grandi dans le village de Fouta. Mais moi, là, Columine, tu es négatif. C'est Dieu qui a sauvé l'IFDG. Parce que là, si la transition la passe, l'IFDG va se retrouver et va aller loin sans toi. La Holy. Parce que là, les gens ont compris. On fait avec les autres. On ne vient pas du Nord. T'es associé, mais t'es Wallonie parce que tu fais partie des personnes qui bloquent les associations de l'IFDG et certains groupes politiques. Là, Andy, tu peux le faire dans l'intérêt, dans ton propre intérêt.
quand on tient, c'est toi qui te lèves. Hein. Quand on est dans la hautie, que toi, non, qui peux t'imposer au foot. Ça va être ta taille là. Parce que le pouvoir, là, t'as vu la taille là. C'est-à-dire, j'ai envie de te voir au milieu des gens en train de faire la campagne. Moi, je ne sais pas ce que toi, tu peux dire à la moine Guinée. Ce n'est pas la Guinée française. Pas ça y est, ton même taille à aider. Voilà. Il n'a un ciseau. Kouayata. Là, le fort, nous y m'aider. Même on dit, là, ça est fort et ça arti. Yaoundara, c'est immortel. Immortel, quoi, bada. Dans le titre, voilà, ni voilà, voilà, de sport, on a dit qu'il a bloom, voilà, bloom, qu'il a tout gouni, ça y est, bon, mais ma qu'on a mortini au milieu comme ça, hey. Non, c'est pas la tête, yeah, d'ailleurs, formons ma qu'on a dit, bon, imagine-toi qu'on trouve un adon, c'est bon, même, pour le bon, il porte très bien, tika là, on parle, non. Bonne nuit, portez-vous très bien. Oh, l'affaire de Sadiba là, Andeko, épine, tu n'as rien compris. N'importe quoi. Ça va nous pour effondrer quoi. Ça y est, nous aya mandatum, ni mandatum on a gagné ça. On nous autorisera. Nous on dirait la mandat on nous autorisera. Mandatum, Allah. Mandatum on nous autorisera. Franchement, je me demande même parce que si m'da retirement aussi, mi pantalon ma quoi. C'est-à-dire, je me demande même comment tu fais. Tout le monde dit, mais tous ceux qui ont vu, là, tous ceux qui ont vu, on dit, mais Gawal parle de, mais ah, voilà, on dit que tu. Ah non, c'est grave. Parce que, ah, Chikuli, mais bon, quand tu as l'odeur de Chikuli, quand Chikuli, l'odeur de Chikuli maintenant, et en Urbini, qu'on a créé, un peu veste et mal, avec ta parfum, hein? Voilà, c'est beau. On laisse comme ça. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, mais portez-vous bien. Non, frère Mobari, nous on dit Allah. Je m'en parle, le monsieur, il me fait très mal parce que le monsieur est en train de nous retarder dans tous les débats. Comment quelqu'un peut être porte-parole du gouvernement alors qu'on peut parler tout? C'est-à-dire, tu peux être porte-parole du gouvernement, mais tu dois savoir détailler les grandes lignes qu'on te donne aussi. Personnellement, ça se passe avec tout ce qui est écrit là. D'avoir un détail, mais il ne peut pas dire qu'est-ce que la famille veut. Il peut s'adresser à la presse, aller faire des communiqués à la presse. Mais vous aussi, comment il peut? Où est la presse? Où est la presse? Vous pensez que s'il y avait la presse privée, il y avait Film, il y avait Kioma, il y avait Espace, et que ça dit pas meilleur comme ça. Hey, vous aussi, regardez ça. Hein? Le débat allait tout très. Le débat allait, non. Et vous aussi. Hein, les frères Lincoln, les talibés, qui est le large même. Hein? Les talibés de Mabaré, elle a dans la barrière, tout le monde encore totalité.